bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine? Ne bougez pas, voici votre horoscope. Bélier, vous ne savez plus comment aborder les hommes. Tentez la drague en langage des signes. On sait jamais, sur un malentendant, ça peut marcher. Taureau, la vie urbaine vous stresse. Comme je vous comprends. Moi, à chaque fois que je sors d'un grand magasin par la sortie sans achat, je rougis et je me dis « Garde un air naturel, t'es innocente. » Gémeaux, le garagiste de votre rue a été arrêté pour trafic de drogue. Oh là là, c'est fou! Dire que vous avez été sa cliente pendant 10 ans et que vous ne saviez même pas qu'il était garagiste. Cancer, avec votre amant, vous passez vos journées à cocooner au lit. C'est chouette! Mais sortir, ça peut faire du bien aussi. Moi, la semaine dernière, je suis allée au salon de l'aspirine. C'était l'effervescence. Lion, vous craquez pour une femme vraiment brillante. Et vous vous demandez si les femmes intelligentes font de bonnes épouses. Mais voyons, les femmes intelligentes, elles se marient pas. Vierge, grosse motivation pour draguer sur les réseaux sociaux, mais aucune pour aller bosser demain. La preuve, vous vous réjouissez de sentir poindre les premiers symptômes de la gastro-entérite. Alors que c'est pas super agréable. Balance. Pour être en meilleure santé, vous décidez de faire attention à votre alimentation. Vous avez raison, c'est important. Depuis qu'on m'a dit qu'on est ce qu'on mange, j'ai définitivement arrêté les quiches. Scorpion, vous êtes une mère comblée. Votre fille aînée est devenue une vraie ado. L'adolescence, ce moment merveilleux entre l'enfance et l'alcoolisme. Sagittaire, vous rompez avec votre partenaire et redécouvrez les joies du célibat. Mais si, si, le célibat, c'est sympa. Sauf pour les repas. Et les nuits. Et les réveils. Et les soirées. Et les câlins, et... Bon, enfin bref, c'est sympa. Capricorne, vous avez pris quelques kilos et ne rentrez plus dans vos jeans. Vous voulez une astuce minceur? Ma stratégie pour perdre du poids consiste à manger n'importe quoi comme d'habitude, en priant très fort pour attraper un ténia. Verseau, vous rêvez de rencontrer votre âme sœur. Vous cherchez quelqu'un avec qui vous pourrez vous poser et vous projeter. Ah ben en fait, vous cherchez une catapulte. Poisson, vous avez été formel avec votre amant. Vous voulez une relation exclusive. Il n'y a qu'avec vous qu'il peut flirter. Vous êtes comme Flunch. Il n'y a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Bon, bah, je vous laisse, je vais chez Nike. Le Lovescope, c'est fini. Moi, on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides.